Vous avez un problème avec ça? Non, je cherche juste son deuxième prénom. Pourquoi vous What? cherchez son deuxième prénom? Oh, la peur de lui? Parce qu'il ne peut y avoir qu'un Gabriel sur cette île. En gros, Elmano, je t'explique. Pour elle, il y a trop de Gabriel, elle veut appeler la milice pour l'abattre. Comme ça, il y a moins de Gabriel. Tu vois, elle est complètement Exactement. folle. Non, seigneur, M'abattre? non, 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 il dit pas ça. C'est non, seigneur. Non, non, seigneur. Non, mais non, on peut pas en arriver il là, quand même. Il s'appelle... Merci Père Castor qui complète le niveau 2. Merci à toi Père Castor. Jesús, Gabriel, Jesús, prière. C'est bien Jesús. C'est très bien Jesús. Si, Gabriel. Franchement, les gars, je vous dis dans la tête de mon personnage, hein, quand il voit la dégaine de son oncle avec le cigare. Non, Gabriel, il a vraiment pas fait exprès de s'appeler comme ça. On est en vocal, il a dit « je vais m'appeler Gabriel ». Viva le presidente. Sí, viva le presidente. Sí, viva le presidente. Bon, on y retourne. Sí. Adios. Hasta luego, monsieur. Sí, princesa, sí, hasta luego. Sí. Caleb, comment ça va? Mais ça va très bien. Tio. On va parler plus loin. Ça, ça fait des années. Eh oui, ça fait tellement longtemps. Eh, on a une bonne line-up en vrai. Hein. Mais qu'est-ce que tu as fait, Tony, encore? La famille, elle a une bonne line-up. Hein. J'ai rien fait, c'est toi. À chaque fois que je te croise, tu te fais menacer parce que tu t'appelles Gabriel. Elle t'a demandé de demander son nom. Elle est venue, elle m'a dit pourquoi ton frère il ment sur ton prénom. Merci, Isaac. Merci à toi, mon gars. Caleb. Oui. Anaki. Hey, merci pour les 100 bits, petit portugais, ça va quoi? Cool ce nouveau RP, toujours présent, ça fait plaisir que ça fasse plaisir. Je voulais changer pour vous un peu, pour moi aussi. Regarde, changer d'RP un peu. Regarde. Ouais, vraiment. Vraiment, les chaussures et le pantalon et tout. Les chaussures, putain. Vous pouvez laisser une minute, hijo. Ouais, bien sûr. Que je m'entraîne avec votre... Bien sûr, bien sûr. T'as vu, il a des chaussures? Des chaussures, hermano. T'as vu la veste? Il a écrit dessus « Caio Perrico ». T'as vu son pantalon? Oui, il est le pantalon tout noir. C'est un pince. Ils mettent ça dans les films de... Dans les grands films américains, là. Ils ont tous des pantalons comme ça, avec des chaussures comme il a. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle une pince, je crois. Les pinces? Oui, c'est une pince. Ils appellent ça comme ça en Amérique. De quoi? Tio, c'est une pince. Les pantalons, son pantalon, c'est une pince, ça s'appelle. Son pantalon, c'est une pince. Si, c'est une pince. En Amérique, ils appellent ça comme ça. Et les chaussures, c'est des monts coquins. Des monts coquins? C'est ça qu'ils disent en Amérique dans les films de Brad Pitt. Brad Pitt, c'est le petit noir, le petit là. Non, c'est le petit blanc. Après, en Amérique, il y en a beaucoup. Hein. Ouais, mais il est blond. Il est blond. Rayman, merci. Ouais, ouais, il est blond. Blond, il a des yeux bleus. Ah, si, je vois. Je crois, j'ai déjà vu le film. T'as raison, c'est les pinces et les mocaquins. Ouais, il a des mocaquins. Sa veste, elle a l'air trop bien. T'as vu, il a les cheveux longs. Rayman, non, juste avec ses gants, il nous paye notre maison. Putain, il a des... Ouais, si. Je crois, Tio, il a beaucoup d'argent. Je crois que Padre, il a beaucoup de choses à lui dire. Mais putain, mais tu as vu ce qui... Oh, il s'est passé un truc de fou, là. De quoi? Je suis arrivé, il y avait un sol... Il y avait quelqu'un à terre, il y avait deux personnes de la milice armée devant lui. Sérieux? C'était jour. Après, elle rentre, je lui vends les bouteilles d'eau. Il me dit, je vais t'abattre parce que tu portes le prénom. Non. Mais je te jure, il voulait m'abattre. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait? On appelle la milice. J'ai dit, non, on appelle pas la milice. Oh, le train de la hype qui descend dans une minute, mesdames et messieurs. What je suis the fuck? Pas appeler la milice. Rayman, la merci milice. À toi, petit portugais, merci à toi. Non, mais pas la milice. Hein. La princesse, ça, cette salope. La princesse, elle me saoule. Elle me saoule. C'est vraiment une princesse. Hein. Il va lui cracher à la vraiment, je, à chaque fois que j'ai un contact avec elle, j'ai envie de la cogner. Et alors, elle disait, il s'appelle comment ton frère? J'ai dit Gabriel. Quoi? Gabriel? Ramenez-le ici tout de suite. Non, non, c'est Gabi, c'est Gabi. Ah, c'est Yo, Erking. Tout à l'heure, lors du discours du président.
T'es lequel? Quand le mec il est venu m'a dit, merci petit portugais, t'as un bon frérot, merci à toi frérot pour la fidélité. C'est un mec bizarre avec ces trucs noirs là. A ton avis, il est en train de nous dire quoi là? Bah, je pense qu'il est en train de rattraper le bon vieux temps peut-être. Après tu sais, Théo, il nous a dit papa, il travaillait dans des trucs un peu bizarres. Dio? Tio. Quoi, Tio? Tio, c'est mon oncle. Ah, Tio. Ah, d'accord. Ah, donc on l'appelle Tio. Bon, moi, il l'appelle comme ça. Tout oh, ouais, comme bien Tio. Sûr, bien sûr. Ben oui, c'est Padre Tio, bien sûr. Ah si, bien sûr. On a grandi avec, on le savait. Oh, bien sûr. Attends, je parle espagnol couramment. Attends. Ça fait des années. Bien sûr. Eh, on parle espagnol couramment et tout, tu crois quoi? Ben, là, je suis en train de parler espagnol. Ben, moi... C'est vrai que techniquement, on parle espagnol, là. Là, je te parle espagnol. Toi, tu me parles espagnol, bien sûr. On parle tous espagnol. Bien sûr, et on parle espagnol, là, en fait. C'est ça, le truc. Bien sûr. Ah, tout le monde parle espagnol, excuse-moi. Mais toi, tu croyais que tu parlais quoi? Ben, espagnol. Ah voilà, espagnol. Toi, tu crois que tu parlais quoi? J'ai douté un moment, mais espagnol maintenant, je suis sûr. Espagnol. Je crois que c'est espagnol. Je pense que je devrais demander à papa ce qu'on parle. De quoi? Je pense que je devrais... Tu parles un peu trop espagnol. Tu parles un tout petit peu trop espagnol, toi, je crois. Je crois, j'ai trop parlé aujourd'hui. J'aime beaucoup le son des criquets. C'est incroyable, hein. Mais tu me crois, depuis une heure, j'ai pas compris, c'est du pollen ou de la neige qui passe devant moi depuis 3 heures. Hein? Il y a ni l'un ni l'autre. T'as pas des trucs blancs qui passent devant toi là, tout de suite? Il y a vraiment pas de trucs blancs. Non. J'ai des trucs bizarres moi. Il y a que moi qui l'ai ça depuis une heure. Ah non, il y a pas de trucs blancs. Je crois que ça t'es depuis le rhum. Toi tu as bu le rhum tout à l'heure. Ouais, j'ai bu le rhum, pourquoi? Ben c'est pour ça t'es en train d'avoir des hallucinations. Ah ouais, putain, ça dure longtemps. Ouais. Je pense qu'il a un effet. La conversation de papa et Tio. Ah ouais. En plus, il nous regarde, hein. Regarde-les. Ouais. Ça parle clairement sur nous. Ouais, sinon le business, ça passe. Ça là, je viens de prendre... J'ai fait des sous, hein, ce soir. Il fallait que j'envoie mon numéro, on sait jamais au travail. Ils disent, ouais, il y a un rush, on a besoin de toi. Un rush? Ouais, un rush. C'est quoi un rush? Un rush, c'est Zama quand... C'est quoi? Bref, un rush, c'est quand il y a grave du monde d'un coup. C'est quand... Ah, tu casses les couilles. C'est quand il y a du monde grave d'un coup, tu vois ce que je veux dire? Si. Ouais, non, c'est important de travailler et tout. Si. Go, on a parlé un peu avec Caleb. Ça nous a fait longtemps, on n'avait pas parlé un peu ensemble, on n'avait pas parlé un peu. Ça va, Tio? Ça va, et vous? Ouais, ça va, tranquille, on a trouvé un petit travail et tout, ça fait plaisir. On travaillait dans quoi? Moi, je travaillais au truc de la fête, là, avec Gabi, là, le... Ah. La boîte de nuit en plein air, là. Et ils travaillent, ils ont un travail, les deux. Ah ouais, on travaille. Bon, c'est pas cher payé, mais au moins... Ça permet d'acheter des rations. Si, ouais. Il y a de quoi faire. Ouais, il y a de quoi faire. J'achète un peu la bouffe à papa et il revend un peu aux gens. Je suis un peu le vendeur, je traîne à droite, à gauche. Votre grand-père aurait été fier de vous. Et ça vous fait plaisir? Bah, c'est très bien. Je pense qu'on gagne notre argent, on commence à travailler dur, on va pouvoir finir la maison et aider papa à payer un peu. Et changer de t-shirt aussi. Et ça combien fait... de... Je suis fier de mes fils. Ouais, ça fait plaisir, ouais. Et combien de temps vous allez mettre à finir cette maison, à assurer les temps? Ouais, normalement, si tout va bien, dans 30 ans, on a une maison. Hein. J'ai calculé. 30 ans? Waouh! Ouais,
Normal. Ça va, avec un peu de travail, ça va, ça paraît bien. Peut-être dire 29, peut-être 29. C'est pas. Si, si, 29, si on réussit à bien travailler. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment... La vie a relativement changé. Et peut-être... Vous avez quel âge ? Et peut-être, quel âge ? Peut-être dans 31 ans, on aura un écran plasma. Écran... Quel écran plasma ? Ah, on va rester sur la TV cathodique. Bien, bien, cathodique, c'est très bien. On n'a pas besoin de plus. Hein. Mettre une fourchette derrière, ça fonctionne. Ah là, et après ça... Oh, Chavine, ça va comme on crée. C'est comme ça qu'on voit la vie. Ouais, voilà, c'est comme ça qu'il va falloir la voir, même pour la suite. Mais sinon, combien, quel âge avez-vous ? Dites-moi. 20 ans, 21 ans. Ah, d'accord, ok. Ouais, donc, quand vous aurez la maison, moi, je serai déjà mort, en fait. Non, tio, non. Non, normalement, c'est... non. Normalement, on aura la maison. Il travaille dans la Port Export, il travaille avec les gringos. Ouais, il ouais, ouais. Normalement, si tout va bien, là, on est sur un bon coup, là. Ah. Bon coup, bon coup. Si, bon coup. Bon coup. Quel bon coup hein, en fait, j'ai 1000 pesos de pourboire tous les jours, normalement je suis bien. J'ai eu 1000 pesos de pourboire aujourd'hui. Bien, bien, bien. T'as fait le calcul du coup. Ouais. Perfect. Et du coup, que tu as payé à ton père pour justement qu'on puisse continuer à préparer cette ouais, maison. Ouais, en plus je te les ai donné, pendant les 1000 pesos. Il travaille même pas pour eux, il travaille pour leur padre. Ah, je suis fier de vous, je suis content de voir ça. Et toi, ça, c'est du diamant, la boucle d'oreille ? Oui, oui, bien sûr, mais ça, c'est parce que j'ai eu une promotion dans mon restaurant. Tiens, le restaurant, c'est bien. Si jamais tu as besoin de nourriture, moi, je pourrais venir te vendre la nourriture. C'est... Non, mais c'est le restaurant, on va dire, je suis pas derrière le fourneau. C'est... On va dire, je manage le restaurant. Il fait d'accord, c'est... si. Et les managers. Sérieux oui, je manage le manager, oui, si, c'est ça. Ah, et... Il fait un peu tout. Je fais un peu tout, si, je... oui. Du coup, tu t'occupes de tout ce qui est gérance du management et tout si. Oui, je gérance le management. Ah, c'est très précis. Si. Ah, c'est bien. S'il y a besoin de serveur dans ton restaurant, nous, on est là, hein. Moi, je suis serveur en plus. Tu viens de trouver un travail, Tonio. Ah oui, mais c'est mieux de travailler avec la famille. Hein. Ah oui, mais doucement, sinon tu vas faire mauvaise image. Mais je ne peux pas sûr, te prendre avec moi, je ne peux pas. Ah merde, là, dommage. C'est limité, tu comprends. Il y a un manager qui gère un manager, en fait. Ah, hola. D'accord. Hola. Hola. Petite question, est-ce que quelqu'un parmi vous aurait quelque chose à boire ou à manger ? J'ai un peu d'eau, mais à manger, il n'y aurait pas sur moi, mais il y a un peu d'eau. Si, j'ai. Ah, c'est ce qu'il faut, bien sûr. Moi, j'ai de l'eau, mais c'est 2000 pesos. Ah ouais, business is business. Hein. J'ai ça. Gracias, tenez. Ceci. Ah, sinon, ça fait plaisir de te voir, Tio. Hein. Mais moi aussi, ça me fait plaisir. Un numéro, Tio, parce que c'est bien de se tenir au courant, quand même. Yes. Gracias, gracias. 13,80. Bonne soirée, monsieur. Adios. Gracias. Combien les numéros, Tio ? 13,80. 4,44, 13,80, c'est ça ? Si, c'est bon, c'est ça. Perfecto. Hey. Ah là là, tu as élevé des bons garçons. Si, ils sont encore aussi solides que leur grand-père. Ouais, en plus, tout à l'heure, on a cogné un mec, c'est chaud des putas, là. Tout à l'heure, il y a un mec qui a touché une chica là. Oui. Il y a un mec qui a touché une chica. On a dit, il n'y a pas de ça dans la famille, hijo de puta. On l'a pris, on l'a cogné. Eh, padre, il lui a mis une droite. Non, bah j'ai rien fait. Moi, j'ai jamais vu padre comme ça. C'est intéressant de savoir tout ça. Continue à me dire. Non, je l'ai jamais vu énervé comme ça. Il lui a fait pied bouche. Le naturel revient au galop à ce que je vois. Antonio, il est dans une fascination. Cette bonne vieille doulade, je la connais bien celle-là, elle est bien puissante, oui. Papa, avant, il était quelqu'un de violent ? Ah non. Je ne sais pas. Il aimait bien un peu boxer, un peu. Il aimait bien la boxe. Si. Ah, ça se voyait qu'il faisait de la boxe, hein, Hermano. Tu avais un véhicule ? Si, moi, tu parles à moi ? Oui, si. J'ai un véhicule, si. Tu pourrais pas peut-être faire visiter un peu la ville avec un véhicule, bien sûr, avec Pedro, pour être sympa.
Si, bien sûr, si. Vous voulez vous balader un peu? Ouais, bien sûr, bien sûr. Allez, très bien. Non, c'est un véhicule à toi, Tio. T'as un véhicule? Si, si, c'est mon véhicule. C'est toi, t'as acheté à toi, pour toi? Oui, à moi. Comme moi. Et les mocaquins, ils ont coûté combien, les mocaquins? Les mocaquins. Les mocha quoi? Apparemment, en Amérique, ils appellent ça comme ça. Ça, là, est-ce que j'ai dans les... Ah, les mocaquins, les mocaquins. Les mocaquins. Oh, ne t'inquiète pas. Ça m'a coûté cher, mais t'inquiète pas. Tu vas pouvoir t'acheter ça avec ton travail. Je sais pas quoi. On va pouvoir avoir des mocaquinos. Si, tu vas pouvoir avoir des mocaquinos. Ça fait plaisir de pouvoir s'acheter des mocaquins un jour. Dans le si tout va bien, dans. Faut que ça aille avec tout, par contre. Parce que si tu gardes les mocaquinos, comme tu dis, avec le jean. Ah oui, ça, c'est la pince. La pince, elle coûte combien, la pince? Ah oui, la pince. La pince. La pince. Elle a aussi un prix, hein. Tout a un prix, hein, bien sûr. Bien sûr, tout a un prix. Il a travaillé dur. Bien sûr, j'ai travaillé dur pour avoir ça. Je suis courageux comme mon prénom, tu vois. Je suis ambitieux, tu vois. Et c'est ça que vous avez besoin. C'est pour ça que dans votre travail, il faut vous donner à fond. Et comme ça, dans 30 ans ou 31, vous pouvez acheter la télé ou tenir le toit, je sais pas. Ah ouais, le toit, on l'a déjà. Hein. Ah, le toit, vous l'avez déjà. Oui, si, on l'a déjà, les toits. On a le toit avec la porte, ça va. Ok, la porte. Normalement, on devrait pouvoir acheter un lit dans 2 ans, parce que là, on dort quand même à 3 sur le même. Mais alors, ça pose un problème. Non, mais c'est très bien. Et arrête de te plaindre. J'ai l'impression que tu te plains trop. Tu donnes à fond pour tout ça. Ouais, bien sûr, et tout. Il est chef des paysans, c'est pas n'importe quoi. C'est. Pour moi, c'est le chef des paysans. Pourquoi il y a deux pays? Grade chez les paysans. Oui, je suis le secrétaire général de la Confédération nationale paysanne du Parti des travailleurs de Cayo Perico. Waouh! Si. Mais c'est incroyable! Bien sûr, j'ai fait l'honneur à notre pays. C'est un travail honorable, je suppose. Et ça le restera. On fera un tour, pourquoi pas, non? Ça pourrait être... Ouais, bien sûr, bien sûr. Du coup, on prend les vélos comme d'habitude ou... Non. Ah, vas-y, parfait. On va en voiture avec moi. Ouais, bien sûr. Ah, en tout cas, t'as l'air en forme, Tio. Bah, bien sûr, je suis content. Tu fais de la muscule? Oui, si, bien sûr. C'est très important. Incroyable. Même la musculation du lit. Avec les femmes? Bien sûr. D'ailleurs, faut que tu m'aides avec une femme, là. La petite Gabi, je crois, elle est amoureuse de moi, mais elle veut pas me le dire. Okay, dis-moi où elle est, on la trouve, t'inquiète pas. Je suis super chaud. Il me faut un training. Ok, bien, on va aller là-bas. Merci beaucoup. Merci, Polo, merci. J'en ai plus. J'avais trop soif, merci. Le background... Ah, mais c'est... Attends. Non, le rhum, c'est... Ah... Si. T'as pas le moyen de m'avoir un téléphone par là? Parce que... C'est impossible de l'avoir. Si. Ramène-toi. Bien. J'ai acheté la carte SIM, mais pas le téléphone. Koh-Lanta sans sub à Skip. non, tranquille. Votre père, il aide un de ses compagnons. Ouais, là. Mais il est comme ça, notre père. Il a la main sur le cœur. Quand il peut aider les gens. Mais crois-moi, quand il a mis la droite au mec tout à l'heure, il avait pas la main sur le cœur. Donc il a pas la main sur le cul. C'est l'important. Ton humour n'a pas changé, Tio. Oui, si, c'est vrai que il est raffiné. Mais je crois que c'est 12 ans. Non, non, mais c'est pour pas acheter deux cartes de pied. Le badge en or, elle devrait. Oh, papa, tu vas t'occuper de tous les clochards de la ville ou quoi? Allez, montre. Ouais, putain, c'est Adèle, toi, il a travaillé avec moi depuis longtemps. Oui, bah, c'est pareil. Tu le reconnais même plus. Si, je le reconnais. Si. Tu le reconnais. Je vois que tu rates pas l'occasion pour m'envoyer une pique, hein. Non, j'ai simplement que tu m'as manqué. Ça fait un petit moment que je t'ai pas vu. Toi aussi, tu m'as manqué. Ça me fait plaisir de tous vous voir, là. Oui. Vous avez changé depuis le temps, les deux, hein. Ouais, bien sûr. On a grandi, hein. T'as vu ça un peu? Oui. Attends, vite fait, je dois passer à la maison, changer de chaussettes. Vas-y, va tout droit. Bon, c'est à gauche. Là, c'est là. Là, à gauche. Ah, si, je vois, oui. J'ai cru que c'était une poubelle. Excusez-moi. Écoutez pas votre oncle. Hein. Ah, bien sûr, non. Il est taquin. C'est là, juste à gauche, c'est notre maison. Il est ici, là. Bien.
très sévère de vous, mes fils. Ah, je suis mort. Il n'y a rien qui va, frère. Les mecs. Je cherche, tu vois. Bien sûr, je suis... Je trouve mal les femmes, tu sais, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué, c'est très compliqué. Elles ne savent pas ce qu'elles veulent. Mais il est où le chauffage? Qu'est-ce qu'on a besoin de chauffage d'ici? Mais il fait chaud sur le caillou. Il fait toujours chaud. Si. Caillou, bon, l'hiver quand même, il fait froid. Pourquoi il y a quoi? On n'en a pas encore. On va ah, le chauffage dans la maison, ça arrive là apparemment dans 2 ans, si tout va bien. C'est la prochaine étape. Non. La prochaine étape. Et ton oblique là par terre, là. À quoi ça va servir ça? C'est pour finir le mur? Si, on va faire une sorte de grand jardin. C'est le garage là, c'est le garage, c'est fini là en fait. Ah, parce que tu t'es calmé devant le garage alors que t'as pas de voiture. Si, on a des vélos, on fait semblant, on a des vélos. On a dit 29 ans pour la maison et normalement 33 ans pour la voiture. Et c'est 33 ans, il faudra le véhicule. C'est ambitieux. Ouais, mais on voit vraiment sur le long terme, en fait. C'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant, si. Bon. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans cette île? C'est ça, tu nous fais un peu visite, elle... Et du coup, toi, il marche bien, le restaurant et tout? Si, il marche trop, trop bien. Ah ouais. On met une sauce spéciale Cayo Perico. Si. Et ça fait que. Oh là, c'est chez qui ça? Non, vas-y, c'est là où je travaille, Ah. À la playa. Du coup, on met une sauce spéciale. Et depuis que cette sauce a été populaire. Ouais. Même à Los Santos, ils s'arrachent cette sauce. Ça fait que maintenant, on est. Elle s'appelle comment la sauce? C'est le ketchup, non? C'est... Je peux pas te le dire, c'est une sauce spéciale Cayo Perico. Ah d'accord, faudra d'accord. Qu'on aille manger un jour, hein, papa. Mais vas-y, bien sûr. Ouais, c'est là où je travaille, tu vois, c'est... T'as vu la voiture de Tio? Bien sûr. T'as vu la du quoi, padre? Padre, il a dit attends, c'est pas la voiture de Narcos. Mais ouais, il a dit faut pas s'approcher de la voiture, mais regarde, et oui, la même voiture. Il a clairement dit faut faire attention à ce genre de véhicule. Je pense qu'il faut faire attention à toi.